sur le crâne d'animaux. Ici, vous avez un crâne de jeune bouvet. Vous voyez la branche des lobes sur l'os intérieur, appelé cornillon, qui est l'os nourricier de la corne. La corne, c'est comme nos ongles, c'est la même chose, et comme nos cheveux. C'est constitué de kératine, qui est la même matière que les cheveux. C'est la matière la plus proche de la chevelure et du cuir chevelu. C'est pour ça que le peigne en corne, c'est quand même le nec plus ultra, le peigne sur son profil. Donc c'est, ce que nous utilisons, c'est la corne de bovin principalement. On peut utiliser un petit peu de corne d'ovin, de mouton, mais on en utilise pratiquement plus maintenant. Ce sont donc des bœufs et des vaches, corne de zébu, Afrique principalement.